Coucou à tous, c'est Ice Creamy. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de l'échec. Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à l'échec. Qu'il soit familial, professionnel ou même scolaire, un échec donne suite à une période de doute, de dénigrement de soi-même, de peur, de honte et surtout de désarroi. Face à l'échec, la plupart d'entre nous sommes découragés, désemparés. Alors, il est plus facile de baisser les bras. Mais il est plus courageux d'affronter l'échec et plus audacieux d'en faire un allié. Prenez l'échec comme une leçon de vie. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'a manqué pour réussir? Quels sont les points à améliorer dès à présent? Qu'est-ce que je dois changer dans mon attitude, dans mon mode d'analyse des situations rencontrées? Une fois réponse donnée à ces questions, ayez la force de recommencer, redoubler d'efforts et surtout n'ayez jamais une attitude défaitiste en vous disant « De toute façon, je vais encore échouer ». Derrière un échec se cache une réussite proche. Sachez-le, dès lors que vous acceptez que vous avez fait des erreurs, dès lors que vous avez la lucidité d'admettre que votre raisonnement doit évoluer, alors vous vous dirigez à grands pas vers une réussite. Un échec n'est pas une barrière, c'est un signal qui vous alerte que soit la direction choisie ne vous convient pas, ou soit votre vision des choses n'est pas la bonne. Considérez de cette manière, l'échec devient un nouveau départ et un nouveau défi à relever. Face à un échec, il n'est pas question de chance ou de malchance. Selon Richard Wiseman, la chance n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. Alors, n'hésitez jamais à aller de l'avant, relevez-vous. Affrontez de nouveaux défis, changez votre vision du monde. Soyez courageux, soyez audacieux. À bientôt pour de nouvelles vidéos.